On peut accueillir la famille Croix-Pigeon. Oui. Rendez-vous demain lundi, après-demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi et pour le final samedi à 20h, nous serons là très nombreux, nombreuses et nous pourrons voir comment ils ont performé cette semaine. Bravo, oui, ah, oui, oui, oui. Face à vous, tout en bas, Jules qui nous vient de l'autre continent, Jules qui a traversé le Carémer, Jules qui depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, Jules expérimente l'improvisation, c'est un professionnel. Sacha est connecté, Sacha est relié, Sacha s'est préparée depuis plus de 6 mois, elle a emménagé à Vosgine pour être prête à ce marathon, elle est devenue habitante de ce village et Sacha a calculé, préparé son itinéraire, elle a absolument tout penser, toutes les éventualités. Je vous présente Julia. Julia a un mental de fer. Oui, Julia ne se laisse pas déconcentrer par les mots. Elle a visualisé son objectif. Elle ira droit au but. Elle est sûre d'arriver. Louella, elle est partie très 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 tôt. C'est la plus énergique. La plus jeune, la plus sauvage. Elle a les yeux perçants, elle traverse le réel, elle passe à travers l'eau, le feu, la foudre. Merci beaucoup et pour finir, je vous présente Lys. Lys n'a pas d'identité. Lys n'existe pas. Nous n'avons aucune information sur Lys. Elle est arrivée mystérieusement sélectionnée par des vibrations dont nous-mêmes n'avions aucune information. Merci Lys. Au bon endroit, au bon moment, et la réalité commence à se développer. Nos amis performeurs, performeuses ont attaqué la pente douce, car savez-vous, ils doivent tenir une semaine. Ils ne peuvent pas cramer toute leur énergie dans le premier instant. Tranquille, ce sont des experts. Ce sont des visionnaires. Ils ont toutes les chances pour réussir à traverser le réel, à dérouler le tapis rouge de leur propre inconnu, de leur propre monstre intérieur, de leurs vibrations multiples. J'invite toutes les personnes qui se sentent de rejoindre cette improvisation, à se jeter dans la gueule du loup, à rentrer dans la matière même du réel, à basculer de l'autre côté du langage, à ne plus rien savoir, à déconnaître le monde, car enfin il est temps qu'aujourd'hui nous ne sachions plus où nous allons. Nous devons changer de paradigme et enfin avancer à vue dans la réalité matérielle du monde. Cette réalité horizontale, entière, magnifique,
décomposé de toute projection sensée. Ah, le sensible est en train de nous gagner. Le sensible est en train de remonter les manches de la colonne vertébrale de toutes les mains qui se sont liées et qui jamais n'auront perdu aucun morceau de ce goût de bonbon, de ce goût de platane. Thank you.